Un poisson d'effraie la chronique dans le milieu de la pêche français. Le silure originaire du bassin du Danube a connu au cours des 30 dernières années une forte expansion, colonisant les eaux de l'Europe de l'Ouest et notamment la France. Il est le plus gros poisson des eaux européennes et son physique ne laisse pas insensible avec ses airs de gros poisson-chat. Cette colonisation s'accompagnait de vifs débats sur son impact potentiel sur la faune des eaux où il était introduit. Malgré les données disponibles à son sujet, le silure et ses mœurs restent largement inconnus du grand public et il n'est pas rare d'entendre au bord de ou de lire dans la presse des histoires farfelues. Désigné comme un ogre d'eau douce ou même comme un mangeur d'enfants, accusé de dépeupler les cours d'eau par certains, ce poisson provoque d'un autre côté l'admiration de certains pêcheurs sportifs qui apprécient son statut de poisson trophée. C'est le cas notamment de Jean-Claude Tanzilli que l'on appelle l'homme silure et de Xavier Vella qui ont fait énormément pour ce poisson. A noter que malgré leur ressemblance, le silure glane est un siluridé et le poisson chat commun est un ictaluridé. Nous allons nous intéresser à ce poisson qui fascine en commençant par la famille dans laquelle il fait partie, celle des siluridés. Le groupe des siluriformes compte plus de 3000 espèces et serait un des plus importants des vertébrés, une espèce de vertébré sur 20 étant un siluriforme. Le phylum du siluridé est extrêmement ancien et est apparu il y a plus de 110 millions d'années. Les siluridés sont largement représentés à travers le monde et on les retrouve sur la totalité des continents. Les différentes espèces se sont habituées à de nombreux biotopes étant présents en continuité entre les deux cercles polaires, dans les eaux fluviales voire côtières. Cependant, les milieux tropicaux hébergent un plus grand nombre d'espèces, notamment en Amérique et en Asie. Les siluridés, couramment nommés poisson-chat, se caractérisent par la présence de barbillons autour de la bouche. Ces barbillons peuvent être présents jusqu'au nombre de 4 paires, avec des variations selon les espèces. Leur tête aplatie et généralement volumineuse leur permet de chercher leur nourriture, en particulier au fond de l'eau. Leur peau est nue, ne présentant pas d'écailles, mais étant parfois recouverte de mucus. La diversité des espèces amène certaines particularités singulières. Ainsi, les malapteruridés sont capables de produire des décharges électriques. D'autres espèces, telles que le poisson-chat rayé, possèdent des glandes qui sont capables de produire un venin suffisamment fort pour être fatal à l'homme en cas de piqûre au niveau des rayons des nageoires pectorales et dorsales. Leur taille est très variable, allant d'à peine quelques centimètres pour les plus petites espèces jusqu'à près de 3 mètres et 293 kg pour une prise reportée en Thaïlande dans le Mékong en 2005. La plupart des espèces a un mode de vie nocturne, restant inactif durant la journée. Les silurites sont des détritivores. Les plus grandes espèces se tournent néanmoins vers un régime de prédation opportuniste comprenant poissons, amphibiens, reptiles, oiseaux. De par leur présence sur l'ensemble du globe et leur élevage facile, les siluridés ont une grande importance économique. Ils sont élevés en poissons d'ornement pour l'aquariophilie ou pour la consommation, avec notamment le barbu de rivière en Amérique et le panga en Asie. L'aquaculture de cette dernière espèce a d'ailleurs permis au Vietnam de produire 1,5 million de tonnes de panga pour un montant de 1,5 milliard de dollars. Cette production est notamment importée dans plus de 70 pays dans le monde et fait l'objet d'une guerre commerciale avec la production de barbus aux États-Unis. L'élevage de ces espèces est d'ailleurs en augmentation, portée par la demande croissante en poissons issus de l'élevage. Nous allons partir dans le bassin du Danube où le silure est originaire. La présence de fossiles et d'ossements de l'espèce
indique sa présence en Europe depuis la préhistoire. Ainsi, il y a 5 à 8 millions d'années, le silure était présent dans le bassin du Danube, dans le bassin du Rhône et possiblement dans celui du Rhin. Les périodes glaciaires, vers moins 15 000 ans, ont provoqué une modification des climats en Europe et conduit à la disparition du silure dans le bassin du Rhône et du Rhin. L'espèce a donc survécu dans le bassin du Danube, c'est-à-dire la plaine hongroise et la partie aval du Danube. À partir de 1850, le silure va voir son aire de distribution augmenter et va se déplacer vers le sud et l'ouest de l'Europe, notamment par l'action de l'homme qui va l'introduire dans de nouveaux secteurs. On l'introduit ainsi en Angleterre à partir de 1880, en Italie dès la fin du 19e siècle et en Espagne en 1990. Nous allons partir en France sur les bords du Rhône. En France, on tente de l'introduire à Versailles puis en Alsace à la fin du 17e siècle. Finalement, il est implanté en 1857 dans la pisciculture de Uningue. Son introduction dans la Saône en 1966 résulte d'une population issue des étangs de Dombes. En 1968, une vingtaine de petits silures de 300 grammes environ est lâché dans la Sanne morte, un affluent de la Seille communiquant avec la Saône. C'est encore l'homme qui l'introduit par la suite en Camargue dans les années 70, dans le bassin de la Loire, de la Seine et de la Garonne en 1989. L'habitat naturel du silure est composé de fleuves et de grandes rivières, de lacs et de milieux côtiers, tant que la salinité de l'eau n'excède pas 1,5%. Ses besoins en oxygène sont réduits grâce à un taux d'hémoglobine sanguin de 30 à 35%, ce qui lui permet de supporter une teneur en oxygène dissous de 3 à 3,5 mg. Il semble également capable de supporter un certain degré de pollution. Toutes ces caractéristiques font du silure une espèce relativement rustique et capable de s'implanter dans une grande variété de plans d'eau. A noter la présence d'une autre espèce en Europe, le silure Aristotelis, vivant principalement en Grèce et cohabitant parfois avec le silure glane. Le silure est présent sur un ensemble très large du territoire européen en partant du nord au sud et de l'ouest à l'est. La nageoire dorsale est de taille réduite, contrairement à la nageoire anale qui couvre 2/3 de la longueur du poisson. Sa peau est nue et recouverte de mucus. La couleur varie du brun vert au noir sur le dos. Les flancs sont généralement marbrés et la face ventrale tire vers le blanc. A noter l'existence exceptionnelle de sujets albinos ou orangés. La bouche porte 3 paires de barbillons. La plus grande sur la mâchoire supérieure est mobile et mesure jusqu'à 1/3 de la longueur du corps, les deux autres sur la mâchoire inférieure. Le silure possède une paire de narines de chaque côté. Elles sont dédiées uniquement à l'olfaction. À l'intérieur de la bouche, on trouve de nombreuses petites dents recourbées vers l'intérieur. Elles sont regroupées et forment ainsi des râpes, empêchant les prises de s'échapper. Ces râpes sont localisées sur les intermaxillaires, la mandibule et les dents pharyngiennes. Pour finir, la tête porte 2 yeux de taille très réduite comparée au reste du corps. Ces yeux ne sont pas suffisamment développés pour faire de la vue un sens utilisé dans le comportement alimentaire et lui permettrait juste de percevoir l'alternance jour-nuit. Son corps porte également des ampoules de Lorenzini connectées à un port cutané via un canal rempli d'une substance gélatineuse. Ces ampoules réparties sur tout le corps et particulièrement sur la tête permettent au silure d'être renseigné sur la présence de champs électriques faibles de 0,001 microvolts par centimètre. Cette capacité à percevoir des champs électriques permet au silure de repérer ses proies. Durant ses premiers temps de vie jusqu'à l'âge d'un an, le silure affectionne les eaux calmes et profondes. Une étude menée dans le Rhône a cependant mis en évidence des regroupements impressionnants de silures. Ces regroupements se trouvaient toujours dans la même zone et impliquaient des silures adultes formant une boule comportant de 15 à 44 individus d'une longueur moyenne d'1,45 m. L'explication à ce regroupement n'a pu être trouvée mais ne semble pas liée à des comportements d'éducation, de prédation, de reproduction ou de défense. Ces boules sont bien connues des pêcheurs amateurs qui ont pu les observer en de multiples endroits à l'écosondeur. Le silure est décrit comme un poisson aux mœurs nocturnes étant parfaitement adapté au niveau sensoriel pour vivre dans le milieu sans visibilité. Façon générale, la journée est une période de faible déplacement, environ 0,9 cm/s en moyenne.
Les poissons restent en général postés le long des berges, dans des endroits encombrés ou dans des niches sous les racines des arbres de la berge. L'activité devient plus importante la nuit, environ 0,17 cm seconde en moyenne. Les déplacements étant généralement constitués d'allers-retours entre Pléneau et la cage journalière. Ces mouvements sont liés à la recherche de proies et il est ainsi possible de corréler les déplacements nocturnes des silures avec ceux de leurs proies. Néanmoins, cette étude met aussi en avant les disparités individuelles du silure. Certains silures se montrant très actifs en parcourant jusqu'à 55 mètres en moyenne par jour, quand d'autres se déplaçaient en moyenne de seulement 18,5 mètres par jour. Une autre étude menée dans une rivière tchèque a mis en évidence les variations saisonnières dans l'intensité des déplacements des silures. La reproduction des silures est annuelle et ne peut intervenir que si la somme des températures annuelles est suffisante, ce qui implique la limite nord de son aire de distribution où les températures de l'eau ne permettent pas sa reproduction. La maturité sexuelle en conditions optimales apparaît plutôt chez les mâles que chez les femelles, ce qui équivaut à 3-4 ans et 5-6 ans. De fait, une croissance lente entraîne un retard de maturité sexuelle. La reproduction commence par la migration des silures vers les zones de frais dès que la température de l'eau atteint 8 à 10 degrés. La frai va ainsi s'étaler sur une période d'un mois et demi. Le milieu de reproduction est le bord des rivières, là où les racines des végétaux et des plantes aquatiques vont fournir un support et une protection aux œufs. Durant cette période, le mâle défend son territoire et devient agressif, ce qui engendre de nombreuses blessures sur les poissons. La frai a lieu généralement la nuit et la ponte intervient pendant une parade nuptiale où le mâle féconde directement les œufs. Ces derniers sont entourés d'une substance gélatineuse qui leur permet d'adhérer au suc. Les œufs mesurent de 1,94 à 3 mm de diamètre et la femelle peut en pondre de 7 à 42 000 par kilo. Cette fertilité étant corrélée positivement à la taille et au poids de la femelle, c'est-à-dire que les sujets de grande taille ont la fertilité la plus élevée. À la naissance, les larves mesurent 6 mm et elles vont rester fixées au support de ponte avant de nager librement. Cette espèce étant de plus caractérisée par un taux de croissance élevé, particulièrement durant les premières années de sa vie jusqu'à l'âge de 6-7 ans. Ainsi, en conditions optimales, des sujets d'un an peuvent atteindre 35 cm, les données moyennes étant de 20 à 24 cm à 1 an et autour de 40 cm à 2 ans. Après 14 ans, la croissance ralentit considérablement, mais elle se maintient tout de même à un taux de 5 à 7 cm par an. La croissance en poids est en contraire assez modérée avant la maturité sexuelle. Par rapport à la croissance en taille, elle se stabilise autour de 30% par an, passé maturité. Jusqu'à la taille de 2 mètres, à partir de laquelle le gain de poids annuel semble assez constant et tourne autour de 5 kg, soit 5 à 10% de gain de poids annuel. Pour donner quelques repères, en général dans les eaux françaises, un silure d'1 mètre pèse environ 7 kg. Un silure de 1,20 m pèse 10 kg, 23 kg pour 1,50 m et 52 kg pour 2 m. La barre des 100 kg étant atteinte pour les poissons autour de 2,50 m. Pour les poissons entre 1 m et 2 m, le poids peut être estimé grossièrement à partir de la formule simplifiée suivante. L'activité digestive du silure démarrant à partir d'une eau à 10 degrés, la croissance s'effectue principalement durant les mois les plus chauds à la fin du printemps et en été. À âge égal, un mâle se révélera plus lourd qu'une femelle. Cette différence de vitesse de croissance explique que les mâles atteignent la maturité sexuelle plus précocement que les femelles. Ainsi, vers l'âge de 15 ans, la différence de taille entre un mâle et une femelle de même âge peut atteindre 20 cm. Le milieu joue un rôle prépondérant dans la croissance du silure, principalement à cause de sa température et des ressources disponibles. En effet, il a été constaté des vitesses de croissance élevées dans les eaux hongroises, alors qu'elles sont au contraire faibles dans les eaux de l'ex-Tchécoslovaquie. De plus, des études ont montré que la vitesse des croissances des silures issues de populations nouvellement introduites, que ce soit en France, en Italie ou en Espagne, était plus importante que celle des silures issues de populations autochtones dans le bassin du Danube notamment. Dans la littérature de l'Europe de l'Est, on trouve de nombreuses légendes de silures géants qui profiteraient des crues pour dévorer des enfants accrochés aux branches des arbres. Toutes ces données font de cette espèce plus grande, habitante des eaux douces européennes. Sa taille et son poids varient fortement en fonction de son âge et des possibilités de croissance offertes par les ressources du milieu. Il mesure en général entre 1 mètre et 2 mètres pour un poids de 7 à 55 kg. Mais il a à noter que le silure peut atteindre un poids beaucoup plus important. Les plus gros poissons pris accusant un poids autour de 110 kg pour près de 2,60 m. Le record du monde ayant été homologué en octobre 2017 dans le Pô avec un poisson de 2,64 m. Dans cette première partie, nous avons présenté l'origine des siluridés qui est l'une des plus grandes familles de vertébrés
vertébrés. Ce top prédateur possède une variété de sens qui lui permettent de chasser et de consommer une variété de proies assez rares. No Limit Friendfishing vous présentera dans une prochaine partie son évolution démographique en France, à l'aide notamment de l'étude de la prédation du silure sur le milieu aquatique français. Merci d'avoir suivi cet épisode.